Je m'appelle Bérangère Dautin, je suis comédienne et directrice du studio Alberto. Je suis vaccinée, mais je n'approuve pas le pass sanitaire parce que pour moi, c'est une privation de liberté pour les autres. Et je n'aime aucune privation de liberté. Nous sommes à une période charnière de notre histoire. Je refuse cette dictature vaccinale qui fait que tous les non-vaccinés ne pourront tout simplement plus vivre. Je refuse ce passeport vaccinal. Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais vu l'humanité se soumettre d'elle-même avec tant de légèreté qu'à travers ce projet, le pass sanitaire. Je suis contre le pass sanitaire, car j'estime que chaque individu doit rester maître de son histoire par tous les temps, toutes les saisons et sur tous les territoires. Je suis contre le pass sanitaire. Je m'appelle Jean-Paul Bazin, je suis musicien et producteur. Musicien, restauratrice, metteur en scène, photographe. Poète. Adjointe à la direction d'un théâtre et chargée de diffusion. Je suis doctorante en géologie. Chercheur, généticienne. Je suis graphiste. Entrepreneur. Musicienne. Cascadeur. Ostéopathe. Gynécologue. Infirmière. Enseignante. Psychologue. Nutritionniste. Je suis un humoriste vulgaire. Artiste lyrique, professeur de chant. Je suis magasinier et je refuse le pass sanitaire pour vivre. Je suis ingénieur et sociologue et je refuse le pass sanitaire. Il s'agit pour moi d'une manière de faire des bons et des mauvais citoyens à qui on va arroger des droits différents. Danger, non vacciné, c'est abominable. Je ne suis pas vacciné, en tout cas pas encore. Peut-être le serai-je un jour. En tout cas, je veux avoir le choix. Car c'est une atteinte inadmissible aux libertés. C'est une violation de la démocratie. Je refuse le passeport sanitaire car je n'ai pas compris cet acharnement à ignorer les soins précoces. Et je dis non au pass sanitaire, qui est censé nous protéger d'une maladie mortelle, qui épargne 99,77% des gens. Accepter ce pass sanitaire, c'est s'enchaîner un peu plus à des décisions iniques, autoritaires et liberticides. Je refuse qu'il soit une condition à mes libertés. Et je refuse le pass sanitaire pour mon pays, la France. Pour travailler, pour vivre, pour mon pays. Pour mon pays, pour mes enfants, pour mes parents, pour tout le monde. Nous refusons le pass sanitaire. Je refuse solennellement le pass sanitaire. Ce scandaleux passeport sanitaire qui est réservé à la fois aux ânes, mais également aux moutons. Je refuse solennellement le pass sanitaire. Je refuse catégoriquement le pass sanitaire. Je refuse 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 le pass sanitaire.